J'ai intégré l'ENA en janvier 2017, où je viens de terminer ma scolarité. J'ai pris mon poste récemment à la direction de l'administration pénitentiaire du ministère de la Justice. En charge de faire en sorte que les personnes qui sont soit en détention, soit en milieu ouvert, puissent réinsérer la société le plus facilement possible après avoir purgé leur peine de détention. D'abord, depuis longtemps, la chose publique m'intéresse. Et puis j'avais envie de participer à l'élaboration des politiques publiques, à la connaissance des acteurs, à sa construction. Et donc il me semblait que l'ENA, au niveau de l'État, était peut-être l'opportunité la plus intéressante pour pouvoir faire cela en termes de parcours professionnel. D'abord, être curieux. C'est bête comme conseil, mais c'est vital. Parce que la curiosité, elle amène l'envie d'apprendre et par là même la capacité à étonner dans une copie. Et puis ensuite, être motivé, parce que c'est un engagement lourd, à la fois pour réussir le concours et puis ensuite sortir de l'école. Et donc cette motivation et cette curiosité, c'est deux grands atouts fondamentaux pour pouvoir envisager le parcours des concours administratifs en général et de l'ENA en particulier. Sciences Po.